Attends, il y a un truc que je vais faire. Et ouais. Ah merde. Non, c'est bon. C'est ok. Donc bien sûr, nous sommes donc de retour sur Syndicate, le jeu de Starbreeze de 2012. Et donc nous allons évidemment continuer la campagne. Nous étions à l'événement 8. Et nous étions à New York en 2069, à la poursuite de Docteur Julie, je sais pas quoi, qui était kidnappée par des méchants méchants. Alors. Pardon, c'est Lily et pas Julie. Autant pour moi. Donc là, on a un super agent. Ah bah oui. What the fuck? Bon, ça piquait un peu là. Ouais, on va faire ça. Immunité. Ok. Bon, lui, il a l'immunité, donc lui, il va falloir le calmer autrement. Solide de Lascar. Alors c'est les grenades. En fait, ce qui est pénible là, c'est cette espèce de halo de lumière dégueulasse là qui te arrache les yeux totalement là. Ah. Là, la lumière là, elle te défonce les yeux, putain. C'est. Ouh!
J'ai vu un truc là. Ouais, j'ai vu un truc. Voilà, donc Mike Magnolia. Magnolia, ouais. 86 ans, décédé. Un Lily drôle. Uptown. Carte de visite. Lily drôle. Et Mike Magnolia. Voilà. Nous avons tout lu. Parce qu'on pouvait aussi évidemment ne pas choisir l'attaque totalement frontale et tenter de passer par les côtés. Ouverture de niveau dans tous les sens. Question. Trouvé. Violation de DataScape. Un ravitailleur raffinière de Cayman Global est apparu. On approche pour extraction. D'accord. Donc ils vont essayer d'extraire le docteur Lily. Merde, alors déjà je voyais pas grand chose. Et alors là, tu vois, sur un truc comme ça. Alors, attends, il y a du monde là, avec un mec. Peut-être recherche avant. Sa mère. Ah, vise, vise, vise. Tu te vises un petit coup là quand même. Ok. Du monde, hein. Il est mort en fait. Non, j'avais pas vu qu'il était mort par contre. Étonnant! Bon, après, pour l'instant, le jeu se résume quand même relativement à couloir ennemi, nettoyer couloir et avancer prochain couloir. Évidemment, c'est pas le genre de jeu le plus révolutionnaire du monde. Alors on s'en fout. Ah, donc il y a un connard là en haut, c'est ce qui m'attend. Classic shit. Eh, il est mort. Normal. Là, il est mort. Là, il est décédé. Alors, ensuite, la suite. On est obligé de monter l'escalier, hein, parce qu'évidemment la moitié des portes sont fermées. Alors, Bim. Essayer de me surprendre
Ah mais c'est un échec. Un échec total et radical. Merde. Ok. Parce que le problème c'est qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Du recul évidemment. Ah vache. Ça m'explose les yeux d'une force, putain, dès le matin, c'est... Ça va les mecs, ils sont pas... Bah ils serviront. Il est où lui? Attends, je t'avoue, j'aurais pu avancer, me mettre à la rue. D'accord. Est-ce qu'il y a du monde en bas? C'était le... Oh! Un gros sac. Ça vient. Ok, ça va être bien ça. Ça va être bien parce que... Alors là, déjà, il va falloir taper les petits avant. Si on veut espérer s'en sortir du rang. Parce que si on tape pas les petits avant, c'est même pas la peine. Voilà. Et putain, mais en fait, c'est chiant. Ça me casse les couilles, ça. Alors, attends, ce cas-là. J'ai un suicidé hein. Voilà, je reste plus que lui. Attendre qu'il recharge un petit coup quand même. Ah mais vas-y quoi!
Heureusement que les poteaux sont solides. Alors, tu vas sur une unité ce bâtard. C'est un jeu de patience, hein, évidemment. Quand même. Incroyable. Quoi? Mais dis quoi? Pourquoi je peux pas avancer dans le jeu là? Quel est le fuck? Ah mais non, mais il faut faire ça, putain. Ah, j'avais pas vu ça, d'accord. Évidemment. Évidemment. On a piraté leur communication, Kilo. Le Rapinia s'apprête à décoller. Alors, oh. Pourquoi tu ne tires pas ça des fois? Tu sais pas pourquoi. C'est usant. Des fois, tu prends cher quand même. Mais calmez-vous les gens, tout va bien. Ne paniquez pas. Ce n'est que moi qui arrive avec mon minigun. Donc, pas de quoi paniquer. Hein. Voilà. Attention là. Que je fasse attention.
Ah merde, d'accord. Moi j'essaie de le descendre évidemment comme un gros connard, mais non. En fait, il faut s'accrocher dessus. Ok. Politique d'intégrité. Pas de problème. Oh putain. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. C'était chaud. Des succès en me tuant, voilà. On l'a toujours accroché comme un connard. Évidemment sur le vaisseau. Sur une petite île artificielle de toute beauté. Il risque peut-être de me voir, non? Je pose la question comme ça, mais... Allez, repère 9, la ville flottante. C'est beau. D'accord. Ah ouais, j'ai levé le bouclier, enfin voilà. Tu m'étonnes. Eh ben on va le faire. Hein. J'ai de nouveaux trucs à prendre, donc on va prendre les données, tout ce que je récupère évidemment, c'est fait. Pas que ce soit super important, mais bon. Il m'avait jamais entendu quoi. Oh putain, c'est pas très sympa quand même. Hein. Alors, ouais. Qu'est-ce que je peux faire là? Intègre le logiciel de Cerberus dans l'application de piratage. Ah vas-y, achète ça. Très bien. Pourquoi pas? Alors, évidemment. Non, c'est pas par ici à sortir non plus. Il fallait encore pirater un truc, quoi. Faut que je sache où atterrit Lily. D'accord, Starborn 9, pas de problème.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un camouflage, genre je me transforme quoi? Mais putain, on laissait sortir d'ici ou pas? Ah mais c'est sûr. Fallait juste que j'attende que la porte soit ouverte évidemment. Ah, parce que sinon ça ne marchait pas. Hein. Putain de script de daube. Ah, c'est là. En fait, faut juste trouver les portes qui s'ouvrent. Le tout le jeu, c'est ça, trouver les portes qui s'ouvrent. Là, je suis au Visitor Center. Ah, porte qui s'ouvre pas. Et là, porte qui s'ouvre. Bonjour. Bonjour, Cassandra. Ah, salut, Koichai. Salut, salut. Tu m'en diras tant. C'est tout? Ok. Alors par là c'est ouvert. Par là c'est fermé. Voilà. Par là c'est fermé. Non, je m'en fous. Je n'ai pas l'intention de devenir un citoyen de baleine à mes couilles. D'accord. Pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ballot ça. On va pirater l'ascenseur. Bien sûr. Ça m'arrange. Là là là. Alors. Mais je suis très calme. Je fais quoi? Ah, attendez, ça a cassé. D'accord, et maintenant? Ah, d'accord, j'ai juste pété les gaz en fait. Nice. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? On tombe toujours à la baleine. Désolé, hein, je termine mon petit déj, évidemment. Alors. Ah d'accord, il y avait vraiment un niveau en fait où on se passait pas grand chose. Le plus simple étant pour récupérer une arme, d'utiliser bien évidemment tout ce qui. C'est quoi ça? Ah bah voilà! Ça c'est un super flingue. Par contre ça veut dire que j'ai perdu l'autre flingue. Ça c'est plus dommage. Bon, pas grave. Ah, j'ai récupéré, j'ai ciblé le Lily. Ou
Objectif repéré. Du monde là. Incroyable. Attends, les mecs, des fois, ils sont super résistants. Des petits fumiers. Non. Attends, je... Oh putain, j'ai pris cher, mais comme un connard. Et en même temps, pourquoi j'ai voulu aller chercher la grenade? Mais quelle idée. Mais quelle idée à la con. Pourquoi j'ai fait ça? Tu récupères les armes ennemies uniquement une fois que t'es en sécurité. Bon, c'est pas grave. Allez. On va faire suicide. Voilà. C'est déjà merveilleux. Ok. Ah putain, du coup, faut que je recommence ça. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite. Débile à l'intérieur, on va se le faire. Mais putain! Incroyable, la résistance du gars. Ouais. D'accord, il y a un truc, un point d'intérêt, mais dans le ciel, normal. Alors, ensuite. Prendre des munitions, ça coûte rien. Ah, merde. Ok, on désamorce les gars. Oh, mais putain, mais il me tire encore dessus, là. Oh, 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 calme-toi. Ah, parce qu'il y a un mec là aussi, putain, ça rase. Alors, viens de battre. Easy. Next. Après, il y a aussi. Il y a aussi la possibilité, évidemment. Oh putain. Oh merde. Ok. Ok, easy. Il y a encore beaucoup de monde là. Ah il y a encore beaucoup de monde. Putain c'est un fou ça. Je suis un peu obligé de... Tout faire au corps à corps parce que sinon... Il était un peu en train de me la mettre à l'envers là. Je croyais vraiment qu'il était décédé. Oh, putain. Oh non, encore. Oh c'est chiant.
Ah bah bien sûr. Mais putain. Enfin. Ah la vache, il est énervé du cul, lui. Il est où? Sa mère. Il est où? Il est là. Ah, je sais pas où il est. Il est là. Salaud. Eh B. D'accord. Ça a l'air d'être une arme sympathique, on va prendre ça. Appuyer sur LT pour verrouiller. C'est quoi ça? Je sais même pas comment on fait pour lancer les grenades en vrai. Change d'arme. Ah oh, putain! D'accord. D'accord. C'est une espèce d'arme lourde qu'on peut pas trop changer comme on veut. Alors, utiliser les missiles. Je comprends pas ce qu'il veut là. D'accord. J'ai compris. Alors, activer, transférer les données. On va récupérer les données évidemment. C'est important. Ensuite. Bonjour monsieur. Bonsoir, je suis Carmen Setenza. Dans notre programme, nous nous intéressons à un des plus grands défis des agents de sûreté du Cayman Global, faire face au nombre grandissant d'insurgés clandestins des ponts intérieurs de notre ville. C'est vrai. On dirait M6 quoi. Bernard de la Villardière. Putain, Bernard de la Villardière. Alors, ok.
très intéressant. Bon, je crois que j'ai perdu la co. Et ouais. C'est chiant ça aussi, putain. En soi, c'est pas super grave parce qu'évidemment, je suis pas en réseau. Mais c'est le principe quoi. Pourquoi je suis déco du live? Que ça va chier là. Voilà. Prends cher là. Attention. Ok. Je crois que c'est ok. Prends ça, connard. Attends, c'est là. Merde, le con. Et quel blaireau. Bon, j'aurais pas dû redescendre, j'aurais dû partir. J'aurais dû rusher. C'est relou ça. C'est terrible.
Putain. Ah, séquence dégueulasse de tir au pigeon, quoi, s'il te plaît. Ok. Ça sera plus simple comme ça, je pense. Voilà. De rusher comme un con, c'est mieux. Ouh. Quelle aventure. Nouveau profil de Syndicate. Syndicate Tao, Castellano. Ok. Merde. Jacinta Ruiz, hein, c'est pas. Région, la Balena. Ça n'a pas grand intérêt tout ça, j'avoue. Alors ensuite. Porte fermée. Porte ouverte. The fuck? Bon, on va faire un petit suicide. Il est resté quand même là. Pas pour dire, mais. Voilà, hein, stop. Il suffit maintenant, messieurs. Arrêtez cette hostilité. Alors, ensuite. Je te mettrai. Alors, c'est qui entre. Eh non, je suis déconnecté du Ghost Life, ça va afficher. Ça me saoule. Allez, ensuite, let's go!
Mais ça tue même pas? Quel est le fuck? Alors ensuite. Ok. J'ai raté la marche. Alors ensuite, nous allons faire tous les... D'accord. Oh merde! Il y a du people! Putain, mais c'est dingue ça quand même! Il y a l'autre con, il est là. C'est bon là, je vais pouvoir le... Ah, parce que l'autre c'est toujours pas mort en fait. Allez, il est mort. Ouais, il est mort. Là, il est décédé. Ouais, il te charge pas, heureusement, parce que s'il te chargeait, ce serait même pas la peine. Tant bien parce que j'avais plus de munitions. J'ai arrivé un peu à bout là. Alors ensuite. Et la prochaine porte qui s'ouvre là, bordel. Ça doit être là-bas, ah oui, je suis con. Nice. Alors, quand même essayer de se reconnecter à ce Xbox Live récalcitrant de merde.
Alors, parce que... Et comment tu fais quand t'as plus que ça? Et comment tu fais pour lancer les grenades en plus? Si je pouvais avoir des munitions, ça serait quand même mieux, quoi. Eh bien putain, ce fut laborieux, hein. Ok, on est juste passé par là, je comprends. Les tuyaux. Que serait-ce un jeu sans tuyaux? Ça rappelle les grandes heures de Escape from Butcher Bay, Chronique de Relic. Je m'attendais pas à celle-là. C'est l'arrivée de Lily, ça, alors. Je suppose. Eh oui. Avec un agent que je vais certainement devoir me faller. Localiser et extraire. Bah ouais.
Tire en pleine tête, évidemment, tire en pleine tête. Alors. Parce que là, je vais quand même pas sauter de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Forcément, un truc à faire. Obligatoirement. Tu vois, c'était évident! Quel connard! En même temps, je veux dire! Il n'y a pas l'indice, alors évidemment. C'est quoi l'astuce là? Astuce? Cette putain de porte est fermée de toute façon. Je veux pas d'échelle. Ouais, mais tu vois. Voilà, 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 voilà. C'est débile. Je suis désolé, c'est débile. Bref. On tire à vue sur... Ah merde. Ça, je sais sur quoi on tire à vue, non? Ok, là, il fallait en finir parce que sinon il m'aurait foutu dans la caca. Alors c'est pas grave. Accès ascenseur, bah, exécution, exécution, oui. Évidemment. Ok, événement 10 terminé. Une précision en déliquescence. Cadre supérieur. Et voilà, redécoller du Xbox Live de merde. Ah, j'ai mis 28 minutes. Putain, c'est chaud. Mais je pense que c'est le meilleur moment pour arrêter. Parce que là on est au repère 11, donc on va arrêter là. On va rappeler les repères 8 à 10. Ce qui va nous permettre effectivement de faire une pause dans le jeu. Et d'aller bosser, parce que bon, faut bosser quoi. Allez, bonne journée hein.